Un repas chez Axel Café, 4 euros. Un an d'abonnement à Gym Concept, 350 euros. Une flopée d'avantages avec sa banque. Une carte de 100 photocopies achetée, 10 euros plus une offerte. Réussir Sciences Po, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a la carte BDA. Le BDA de Sciences Po X présente l'Institut d'échecs politiques d'Aix-en-Provence avec les palmiers, les cloches et même un escalier. Attention, la machine à café. Votre amphi. Et là, bientôt, c'est moi. Bonjour et bienvenue à l'IEP d'Aix-en-Provence. IEP comme Institut d'échecs politiques. Voici un modèle microéconomique hegelien s'inspirant de la dichotomie fondamentale entre l'acceptation du libre arbitre qui s'incarne dans le choix de l'alcool et la dépendance irrationnelle et inconstitutionnelle à celui-ci. Vous n'avez rien compris ? Et c'est normal, vous venez à peine de rentrer à l'IEP. Vous avez 5 ans pour peaufiner votre stratégie de l'échec. Dans ce film, nous allons vous présenter les grandes étapes qui vont jalonner votre vie dans la grande maison. Ces grandes étapes vous permettront de montrer que vous êtes bien un échec politique. Pour simplifier le visionnage de ce film, nous l'avons divisé en chapitres. Comme le plan en 3 parties invite à la réflexion, nous contenterons d'un plan Sciences Po en 2 parties. Chaque partie sera divisée en sections. La première sera pratique. Un de nos techniciens montrera sa stratégie de l'échec. La seconde partie sera théorique. Nos images d'archives vous serviront de démonstration. Votre mission, reproduire la stratégie de l'échec. Comment rater son week-end d'inté ? Je vous le demande en mille, moi. Rater le week-end d'inté, moi j'aurais voulu faire une petite conférence, quelque chose. Voilà, moi je pense que ce qu'il me faudrait, ça serait des... Des livres assistants, donne-moi des livres. Oh, la biographie de Mao, la vraie, l'unique, en 899 pages, avec plein de notes de bas de page. Comme ça, je pourrais étudier toute la biographie, ça va être très sympathique. On va être avec... J'ai rencontré plein de petits amis en première année, ils vont être très sympas. On va étudier toute la biographie de Mao. T'as un autre ouvrage ? Mais tu es parfaite, ma petite chérie. Très parfaite. Aristote, la politique. C'est bien... Mais c'est pas en grec ! Je voulais la traduire, faire des thèmes, des versions des thèmes. C'est pas possible, mais tu me fais chier. Un dictionnaire franco-allemand. Après, on rencontre nos amis germaniques, ça peut être très sympathique. Nous pourrions faire encore des thèmes, des versions des thèmes. Peut-être qu'il n'y a pas de notes de bas de page, mais prends-le, on ne sait jamais. J'ai besoin de quoi, moi ? Pour rater le week-end d'un thé. Bah, d'un petit caleçon, un petit caleçon, pour qu'elle on chope. Ce petit modèle rouge m'a fait ma réputation du côté d'Aix-en-Provence, de la cité de César. César. Arrête de me faire ce regard-là, j'en peux plus. Je peux plus voir ça. Et une brosse à dents pour entretenir votre hygiène bucco-dentaire. Toutes ces choses dites, ces petits conseils, je vous souhaite un bon week-end d'intégration.
après avoir longtemps hésité avec le Gers, finalement je fais mon stage d'expatriation à la loge de l'IEP. Et oui, de toute manière, stage, café ou photocopieuse, à la loge ou en ambassade, c'est la même chose. Bureau des sports de l'IEP d'Aix-en-Provence, bonjour! Oh non, Roger, là! Non, attends, c'est quoi cette connerie, là? Non, on avait dit 25 tonneaux au moins, hein! Non, mais attends, c'est le CRIT quand même, tu veux qu'on carbure avec quoi, là, nous? Oui, bah oui, je sais, c'est dans 2 jours, mais oui, bah t'es mignon, tu te démerdes! Putain! Alors là, vous demandez, c'est quoi le critérium, hein? Bah écoutez, en gros, le critérium, c'est la compétition sportive qu'il faut absolument perdre. Voilà, donc anti-jeu, Bon, à la limite, on peut se défoncer sur la pétanque, hein, parce que bon, là, on est pas mauvais, puis bon, c'est pas trop violent, quoi. Mais après, mis à part la picole, on se défonce sur rien, hein. Non, parce qu'il y a 2 ans, ils se sont amusés à gagner le crit, mais c'était ultra violent, hein, et depuis, ça s'est pas calmé, hein. Tiens, regarde l'année dernière encore. La présentation du grand oral par le jury étant totalement inutile pour rater cette épreuve, nous vous proposons directement 3 réponses types. Notre première question, qui était Paul Cézanne? Un peintre tellement atteint d'Alzheimer qu'il a peint 87 fois la même montagne? Touche à ton IEB, oublie ton élitisme. Pensez-vous que l'IEPianisme soit un humanisme? Pas si on considère 80 personnes vont regarder ce film assis sur une chaise. Touche à ton IEP. Oublie ton humanisme. Troisième question, qui est Ricardo? Le gardien de but du Sporting de Lisbonne. Touche à ton IEP. Oublie ton élitisme. Quatrième et dernière question, qui a battu les Arabes à Poitiers en 732? L'OM, 1-0. Oublie ton élitisme. Bravo monsieur, au vu de vos réponses, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour valider vos 4 années d'IEP. Bravo monsieur. Et pour être sûr de rater. Bravo, c'est bien qu'il mention. Bravo, surprenant, bravo. Pourquoi il y a une salle vide? Tu m'as dit de filmer un cours et j'ai trouvé personne.
Déjà que ce film est mal tourné, mal filmé, mal monté et pas écrit, tu vas pas me dire que t'as pas trouvé un élève. Bon bah vas-y, balance le générique.